spectacle extraordinaire. Mesdames et messieurs, voici venu le grand moment tant attendu. Monsieur le directeur et sa merveilleuse troupe sont ravis de vous accueillir pour une nouvelle représentation. Entrez dans le monde de l'imagination, préparez-vous à une bonne dose de frissons. Ah la vache, il y a des crocodiles! Et vous allez être scotchés à votre télévision. Vous êtes prêts? Alors, en piste! Bonsoir, soyez les bienvenus à Boyarland. Ce soir, ce parc de rêve rouvre ses portes, oui mais voilà. Le directeur du parc et sa troupe sont bien décidés à vous faire vivre un véritable cauchemar. Qu'est-ce que c'est ? La bête ! Ok ! Bonsoir Olivier. Bonsoir. Elle c'est Camille, Camille Ange du démon. Oui, c'est la dresseuse du parc. Pour être tout à fait honnête avec vous, elle est complètement... Enfin bref, je me comprends. C'est donc ici, disais-je, que nos deux équipes de célébrités, ou devrais-je même plutôt dire d'inconscients, vont s'affronter dans nos terribles attractions afin de remporter un maximum de boyards. Je les entends qui approchent, ils sont sur le point d'accoster. Faisons maintenant connaissance avec eux. Ce soir, l'équipe rouge sera dirigée par l'animatrice Élodie Gossoin. Donc, les blancs, désolé les gars. Bye bye. Elle sera aidée par son acolyte à la radio, Albert Spano. Sans oublier l'animateur Vincent Cerruti, bien décidé à battre des records. Il nous les faut tous, les Willys. Et pour compléter l'équipe, le champion Ladji Doucouré. Ensemble, ils se battront pour défendre les couleurs de l'UNICEF. Ils devront affronter l'équipe blanche, menée par le mannequin Baptiste Giabiconi. Ce soir, j'ai la chance d'avoir une équipe de rêve à mes côtés pour amener un maximum de boyards. À ses côtés, l'aventurière Jessica, impatiente de faire son premier tour de manège. Regarde là, go, 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 go. Ainsi que le danseur Brahim Zaibat. Ça va être magique. Et pour compléter l'équipe, l'ancien footballeur Sidney Govou. Ensemble, ils défendront les couleurs de l'association Serum. Alors, quelle équipe remportera le plus de boyards pour son association? Allez, la famille, allez, allez. Ok, papa. Allez. Pourquoi suivez pas de danse? Bonsoir, chers visiteurs. Comment allez-vous? Très bien, directeur. Allez, allez, allez. Eh bien, ça ne va pas durer, je vous rassure. Bienvenue dans mon parc d'attractions Boyarland. Alors bon, ne perdons pas de temps. Olivier vous attend dans le parc à la première attraction. Alors évidemment, pour jouer dans mes attractions, il vous faudra un carnet de tickets. Passe-moi le sucre. Et carnet. Et hop. Allez là. Oh, charmante. À chaque fois que je la vois, je... C'est mon taux de glycémie qui monte. Prenez vos tickets. Merci beaucoup. Prenez vos tickets. Merci. Passez vite. Passe la seconde. Venez. Passez vite et passe la seconde. Je déteste les gens heureux. Allez-vous-en. Allez. Au revoir, madame. À bientôt. Allez dans les boyards mobiles et vous ne les cassez pas, hein. Allez, allez, allez. Allez. Vous entendez le bruit des moteurs gronder? Au loin, l'écho des voix résonner. Les voilà en direction de la première des sept zones de mon parc. Pour le moment, nos visiteurs semblent enchantés, pourtant, ils vont vite déchanter. Ça vous dirait d'embarquer pour la première zone? Eh bien, suivez-moi! Repoussez vos limites. Bienvenue dans les frontières de l'extrême. Ah
J'imagine qu'il va y avoir des sensations fortes, de l'adrénaline. On va devoir surmonter ses peurs. Ce soir, tout m'inquiète. Je peux vite perdre mon sang-froid. Donc, s'il vous plaît, soyez clément. Les frontières de l'extrême. Des sensations comme on les aime. Le ring, voici la première attraction des frontières de l'extrême. Je les entends arriver et ils m'ont l'air joyeux. Pourvu que ça dure. Hello, bienvenue au ring, mes amis. C'est beau. Vous êtes donc ici au ring avec Madame Barbe et Monsieur Moustache qui étaient impatients de vous rencontrer. Grâce à eux, nous allons entrer dans le cœur de la compétition. Avec cette première attraction, vous allez pouvoir gagner 80 moyens. Wow. L'idée, c'est de savoir qui va y aller. Et il faut d'abord donner votre petit ticket. Brahim. On vous remercie, monsieur. Merci beaucoup. N'importe quoi. Venez, on saute sur les suivants. Il y en a, là, il y en a. Celui-là, non. Monsieur Moustache, qui sont donc les candidats qui vont jouer au ring? Baptiste et Elodie. Oh là là. Oh, allez, on est avec toi, Toi, Elodie, tu vas jouer avec Madame Barbe et Baptiste, toi, tu vas jouer avec Monsieur Moustache. Évidemment. Mais auparavant, regardez ces quelques consignes. Soyez intrépides et escaladez cette pyramide. Mais certains sont bien décidés à vous en empêcher. Le ring, l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Elodie et Baptiste. Oui. Vous êtes équipés. Oui. Vous allez devoir trouver le moyen d'atteindre le Willys qui se trouve tout en haut du ring et dans le temps de la clepsydre. Ah oui, aussi. Eh bien entendu. Ah bah oui. Un bonheur ne vient jamais seul, vous le savez, dans Boyerland. Prêt? Bah, pas trop trop, là. 3, 2, 1, allez. Allez, 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 l'art de l'esquive est important. Bien joué, dommage, allez, allez. Voilà, Baptiste, bien ça. Bien, 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 Baptiste, à ça va y faire une belle percée. Allez, Baptiste. Bien joué, Baptiste. Vas-y, Elodie, vas-y. Allez, allez. Allez, allez. Vas-y, tu peux la pousser, vas-y, vas-y. Et l'autre, pousse pas. Vas-y, vas-y. Bien joué, Baptiste, reste, allez. Pousse-le. Jette l'eau, jette l'eau. Jette l'eau. Voilà, mon pote, bien joué, allez, allez. Pousse-le. Ouais, ouais, voilà, Baptiste. Il va être fini. Et l'eau, pousse. Vas-y, pousse les jambes, encore pas mal. C'est bon. Vas-y, Elodie, vas-y, c'est bon. Et l'eau, retourne-toi et pousse-la. Pousse-la. Encore. Vas-y, Elodie, vas-y. Il faut qu'elle tombe! Il faut qu'elle tombe d'une marche! Vas-y, Elodie, vas-y! Deux marches, allez! Elodie est assez redoutable! Allez, Baptiste! Allez, Baptiste, allez, allez! Allez, Véro! Vas-y, repose-toi, c'est pas grave, repose-toi, il est fatigué, il est cher! Vas-y, Baptiste, laisse-toi faire, Baptiste! Laisse-toi faire, Baptiste! Bon, mon pitié! Oh non! Allez, allez, allez! Vas-y, démarre sur les chapeaux de roue. Ah ouais, alors. Vous avez là en votre possession le Willys et c'est autour du cou du Willys que se trouve une bourse dans laquelle vous trouverez les 80 boyards. Hello. Ah, c'est bon. Hello. C'est le début. Hello. Hello. En plus, t'es cuit. Ouais, c'est bien. Hello, bravo, on est super fiers de toi. C'est assez étonnant, c'est qu'elle ne te lâchait pas, mais tu es arrivé malgré tout, step by step. Bravo. Bravo. Bien joué, c'est bien. Bravo à l'équipe rouge. Merci. Tu t'es bien débrouillé, hein. Ouais, je sais, Monsieur Moustache est particulièrement redoutable sur le ring. Ah, le mec, il est costaud. Nous allons voir que va donner maintenant l'attraction suivante. Là, je vais partir uniquement avec les blancs vers le ski et les rouges, vous allez vous reposer un court instant. D'accord. On vous retrouvera tout à l'heure. Moi, ça vous reste. Pour les blancs, vous allez pouvoir prendre votre petite voiture. Oui, je sais, il est impatient, pas si vite. Allez-y, filez. À tout à l'heure, les copains. Salut. Excusez-moi, l'équipe. Désolé. On va aller. Déjà qu'on s'ensemble, t'es toujours obligé de t'habiller comme moi. Mais c'est toi qui t'habilles toujours comme moi. Non, c'est toi qui te maquilles toujours comme moi. Tu te coiffes toujours comme moi. Bon, j'en ai marre. Au revoir. Salut. Aller en haut de cette piste n'aura rien de simpliste. Quand on remonte la pente, la difficulté augmente. La piste de ski, une technique hasardeuse, et c'est une chute dans la poudreuse. L'attraction du ski, bah, ça me parle pas trop, je suis pas un grand skieur, on va dire ça comme ça. Le ski, c'est mon dada. Le ski, le snowboard, la montagne, c'est dans mon cœur. C'est pour moi. Allez, bien parti, les gars. Allez, venez me rejoindre. Ah. Pour cette nouvelle attraction du ski. Avec, regardez, les doubles passes. Petit ticket à le double passe pour pouvoir récupérer les noms. Qui sont les trois candidats à jouer au ski, mesdemoiselles?
Jessica Brahim Sydney. Pour cette attraction, vous allez jouer pour 50 boyards. Okay. Ça vous permettrait de réduire l'écart que vous avez avec les rouges, puisque pour le moment, ils ont en leur position 80 boyards. Mettez-vous en position, Jessica Brahim Sydney. Ah ouais, ça glisse de malade. Ah ouais. Voici le premier taquet. Vous allez devoir donc prendre appui sur lui. Ok. Là, tous les trois. Ah ouais. Oh, arrête, sur le taquet, là. Pour l'instant, la piste est horizontale. Ah ouais, okay. Bon, vas-y. À chaque fois que vous allez sauter d'un taquet à un autre, la piste de ski va se redresser jusqu'à arriver à 60 degrés de pente. Attention, mettez la piste en position. S'il vous plaît. La piste commence à s'incliner. Attention. Easy. 3, easy. 2, 1, c'est parti. Le premier taquet vert est sorti. Attends. Bien joué. Bien joué. Et bien. Super, Brahim. Attends. Magnifique. Parfait. Super, Jess. Bon appui sur les jambes. Faut bien s'élancer, hein. Pousse-toi un peu, sinon je peux pas être monté. Super, Sydney, bravo. Et parfait. Attention, la pente, elle, continue de se verticaliser. Ce qui va augmenter la difficulté. Okay. Maintenant, c'est à toi de commencer, en premier. Allez, Sydney. Nouveau taquet. On est en bleu, là. Attends. C'est chaud, hein. C'est plus chaud que ce que je pensais. Attends. Tiens-moi pas. Ouais, t'inquiète. Oui. Ça, c'est très, très beau. Attends. Magnifique. Bah, t'es calé, tu me dis. Vas-y. T'es prêt? Prends mon t-shirt. Prends mon pull. Hein. Allez. Bravo. Brahim. Ouais, vous me laissez juste ça. Attends, il faut lui laisser de la place. Juste en laissant plus, voilà. OK. Voilà, attends. N'oubliez pas, vous n'êtes pas tout le temps non plus. Bien joué. Oui. Ça passe. À toi. Merveilleux, l'équipe. Regardez, la piste continue de s'embrasser. Allez, on continue. T'es bien, Lorraine, au niveau de l'appui? Voici le taquet suivant. Allez. Tout beau, là. C'est au niveau timing, on est bien. 1, 2, 3. Oui, Brahim. Allez, Jess. Hein. Tu veux que je te pousse? Super, Jess, bravo. C'est top. Quatre pieds. Attends. Je vais me retourner pour le rattraper. Chauffe-moi, parce que sinon... Oh, ouais. C'est pour Sydney que ça risque d'être peut-être un peu compliqué. Ouais, un peu de place à Sydney. Allez, Sydney. Attends. Oui. Bravo. C'est impeccable. Attends. Pour l'instant, franchement, c'est nickel. C'est très, très, très bien. Et oui, je vous avais prévenu. La piste continue de s'incliner. Allez. Nouveau taquet. Attends. On est en piste rouge maintenant, comme vous pouvez le voir. Oh, il est loin, celui-là. Si j'arrive à le choper avec les mains, je l'ai. Oui, ça, c'est très bon. Magnifique, Sid. Sydney, il a mis en place une technique, t'as vu, avec les mains. Il y a les genoux aussi qui... C'est un double rebond, en fait. Et ça, c'est la bonne technique. Allez, c'est bon, ça va le faire. Allez, Jess, allez. Je tiens. 1, 2, 3. Ah non. Elle a disparu dans la poudreuse. Merde, faut que tu passes, hein. C'est sur les pas d'eau. Je suis deg. C'est une grosse perte pour l'équipe, quand même, hein. Ah, je suis deg. C'est pas perdu, les gars. Bon, t'es bien, hein. Ouais, je suis bien. N'oubliez pas qu'on n'a pas tout le temps non plus, hein. On a que le temps de la clepsydre. Les gars, allez, on continue. Tu peux me choper ou pas? Ouais, je me chope, hein. Ouais. 1, 2, 3. Oui, bien, lâchez rien. Super. C'est top. Recule. Attention, la piste continue de s'embrasser. Tu arrives à choper le bois, c'est bon. C'est ça. La piste noire la plus difficile. C'est bon? Piste noire maintenant, le taquet noir. C'est quoi, quand je pars? Mettez ma zoom. Ouais. Je dis 1, 2, 3. Je dis, j'attends. Faites vraiment gaffe, hein, les garçons. Si vous tombez, c'est cuit. Vous y arrivez tous les deux, ils sont grands. Vas-y, attends. Vas-y. Bah, une bonne détente sur les jambes. C'est bon? 1, 2, on pousse. Non. On a perdu, Brahim. Ah, c'est dur. Allez, Sid. Ouais. On a besoin de toi, il reste quasiment plus de temps. Il est tout seul. Allez, le taquet noir, tu peux l'avoir. Allez, Sid. Ah non, malheureusement. C'est bien, les gars, c'est dur. Ah, je suis vexé. Et vous êtes allés jusqu'à la piste rouge. C'est sublime, déjà. Bravo, moi, je dis pas. Non. Vous êtes arrivés quand même jusqu'à la piste rouge. Ouais, mais j'ai pas réussi à changer. Après, c'était trop. Eh oui, c'était trop raide au bout d'un moment. Je vais retrouver les rouges maintenant. Vous allez pouvoir vous changer d'abord. Je vais aller au Boyard Coaster et on se retrouvera tout à l'heure, bien sûr. Regardez, pas si vite, je vous attends. Merci. Au revoir, les journalistes. Eh oui. Forcément, on est déçus. On a essayé, on a bien lutté, mais malheureusement, on a perdu. Franchement, vous avez assuré. Non, c'était beau. Le Boyard Coaster, c'est la dernière attraction des frontières de l'extrême. Ces montagnes russes abandonnées, il faut escalader, puis prendre assez d'élan, et surtout avoir le cran de sauter de portion en portion pour rejoindre le wagon. Le Boyard Coaster fait de toi un cascadeur.
roller coaster, c'est quelque chose que je pense pouvoir dominer, dit-il, avant d'avoir fait l'attraction. On verra bien après. On a, tu sais, cette petite motivation, cette espèce de petite adrénaline. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va me faire peur ou pas? Oh là là, oh là là, qu'est-ce qui se passe ici? Allez, venez les rouges, venez les rouges. Ok, tintin. À moi. Oh, magnifique. Ok, là, tonton. Ouais. Comment t'assure? Tu fais ça super bien. Évidemment, c'est pas 16 secondes. Ah, c'est pas, voici, pas si drôle. T'es bon? Oui, aussi, pardon. Ça va de mieux en mieux, finalement. Super. Non, mais c'est un peu inquiétant. C'est assez même flippant, il faut bien le dire. Nous sommes, comme vous pouvez le voir, avec un Albert qui, lui, est prêt. Ah ouais, Albert. On prend en toi. Ouais. J'ai une bonne nouvelle pour vous, mes amis. Au ski, les Blancs n'ont pas réussi. Oh, ah, chouette. Quel dommage, oh, les pauvres. Oh, c'est triste. Oh, c'est vraiment triste. On sent que vous êtes désolés. Ouais. Vous êtes donc toujours avec une avance de 80 boyards. Oui. Yes. Et peut-être davantage, puisque là, nous allons jouer pour 50 Albert. Boyards supplémentaires. Albert, on compte sur toi, tu vas être super. Un truc, pense à tes nièces, elles seront fières de toi. Tu dois réussir. C'est vrai, je les embrasse, Juliette et Louise. Allez. Nous allons, avec le Boyard Coaster, vivre la dernière attraction des frontières de l'extrême. Ok. Bonne chance, Albert. Allez. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, Albert, allez, allez, champion. Allez, allez. Ça va aller, Albert. Allez, ah ouais. Ça va aller, Albert. Allez. Oui, super. C'est bien, Albert. Et allez, garde allez, un rythme, allez, garde allez, un rythme. Allez. Super, encore, vas-y. Fais attention, Albert, ça va aller, tout va bien. Bonne progression. Allez. Super, super, c'est génial ce que tu fais. C'est bien, Albert. Encore, ça va aller, ça va aller. Attention, allez, allez, Albert est tombé. Allez, allez, allez. Tu vas fatiguer, Albert. Essaie vite de remonter. Impossible. Oui, il faut pas trop tarder. Repars à zéro, c'est pas grave. Repars à zéro si t'as pas de prise. Ouais. Allez, vas-y. Ça va aller, allez. Albert. Allez, c'est reparti, Albert. Fais vite sur les mains. Allez, plus vite tes mains. Vas-y, vas-y, parce que ça coule. Essaie de prendre des grandes. Allez, vite. Allez, vas-y, une fois que t'es là-haut, après c'est bon parce que le truc il coule. Allez, allez. Plus vite tes mains. Ça va aller, encore. Encore. Allez, c'est bien. C'est super, Albert. Allez, encore. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ça va aller, ça va aller. Allez. Super hard. C'est chaud. Mais t'avais le bon rythme, pourquoi c'est plus dur là-haut? C'est pas si drôle. Allez, c'est pas allez, drôle. Repars. Albert, tu peux pas abandonner. C'est mort. C'est impossible. Tu peux pas abandonner. Oh putain. Allez, c'est Albert. Pas toi, t'abandonnes pas. Allez, toi, vas-y. Rythme calme, essaie d'y aller. Allez. Allez, là, pli. Oui, oui. Accélère allez, pas, allez, vas-y accélère. Comme ça. Voilà, voilà c'est okay. Bien, reste fléchi. Garde celui-là. Allez, allez, garde encore, celui-là. Encore. Garde le même, garde celui-là. Encore, encore, oui, oui, c'est ça. Prouve que tu existes. Et remets-toi sur les pieds, là. Allez, allez, t'as encore prouve un peu le temps. Pieds. Voilà, allez. Oh, tu restes, tu respires. Voilà, tu voilà. Récupères. Allez, allez, allez. Et maintenant, tu te dépêches. Dépêche-toi, maintenant. T'as plus le choix. Analyse, analyse d'abord. Analyse d'abord. Allez, cours. Tu te dépêches. T'as plus le temps. Tu veux tomber, d'accord? Regarde pas en bas. T'as pas le temps. Active. Allez. Maintenant. Vas-y, cours. Bravo. Aïe, 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 non. Bravo. Oula, attention. Laisse-moi descendre, laisse-moi descendre. Cher Albert, malheureusement, nous n'aurons pas le temps d'y retourner, ça c'est certain. Allez. Mais très sincèrement aussi, bien, tu as été au bout de tes forces. Ouais. T'as fait ce que t'as fait. T'as pas abandonné et c'est le principal. Fier de toi quand même, t'as essayé. Moi j'aurais pas pu, hein. Bah, moi non plus. Comme coach. Moi non plus. Mais t'es redoutable toi. La vérité c'est que je suis fière, mais je suis dégoûtée parce que, bah, parce que moi je veux des sous. Maintenant où allons-nous au fond? Oula. Est-ce que vous entendez? Vous la voyez? C'est la Féroli. Alors elle va à la rivière enchantée, évidemment. Montez dans votre boyard mobile. Allez, on y croit, on continue, on se motive, hein. C'était une belle expérience, oui, mais néanmoins, et... difficile. Il était une fée à la jeunesse éternelle. Une rivière enchantée où les rêves deviennent réalité. Je vois, vous n'êtes pas du genre à ouvrir votre porte à de parfaites inconnues. À ne jamais vous éclipser d'une soirée sans vos souliers. Vous êtes convaincu que la Belle au bois dormant était juste une grosse flémarde. Eh bien, la rivière enchantée va vous faire déchanter. Ici, les contes de fées ne s'écrivent pas, ils se vivent. Bon, venez, c'est par ici. Les rouges. Bon, on est bien d'accord, chacun sur son nénuphar. Les blancs sur le nénuphar pour les blancs, les rouges sur le nénuphar pour les rouges. C'est mignon. Bienvenue à la rivière enchantée.
La Féronie va vous proposer 3 jeux. Chaque jeu vaut 50 boyards. Ah oui, quand même. Alors, la seule chose, c'est que les Blancs, vous n'avez pas de boyard. C'est donc moi qui vais maintenant lancer un boyard dans cette rivière enchantée, en ayant bien sûr le désir ardent de voir la Féronie apparaître, car c'est le seul moyen pour que celle-ci se présente à nos yeux. C'est très mignon. Féronie, Féronie, prends ce boyard et viens nous voir. Voici. Regardez, elle est là. Oh, elle s'approche. Oh, la belle fée. Il y a pas de oh, elle tourne. Wow. Voici la Féronie. Coucou, Féronie. Bonsoir. Madame la fée. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, alors c'est stupide. En fait, j'avais laissé la plaque de cuisson allumée et j'ai posé ma baguette dessus. Regardez, du coup, elle est complètement cramée. Mais je vous parle pas de la baguette. Je vous parle de votre visage. Oh, ah oui, oh là là, j'ai fait une allergie à cause d'un crapaud. Enfin, à cause de ma bouche. Enfin, à cause de ma bouche sur un crapaud. Voilà. Votre bouche sur un crapaud. Vous savez, en ce moment, ma vie amoureuse n'est pas très remplie. Du coup, moi, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, ben, j'embrasse un crapaud, avec un peu de chance, il devient un prince. Et manque de bol, au lieu d'embrasser un crapaud prince, j'embrasse un crapaud-crapaud, et du coup, l'allergie pustule. Non, mais vous inquiétez pas, hein, j'ai des solutions. Hein. Ah, tant mieux. Ah, d'ailleurs, au fait, j'espère que Baptiste et la Dieu-ci, ils ont des solutions. Parce qu'ils ont une épreuve à passer. Baptiste et la Dieu, regardez bien ce qui vous attend. Ce serait vraiment les boules de faire cette course de boules. Si vous voulez l'emporter, faut arriver le premier. Je suis comme une boule de petit pain qui coule. Non, qui roule. Ah oui. Allez, bonne chance. Messieurs, vous êtes donc maintenant chacun dans votre boule. On l'a dit, évidemment, ça va te changer un peu. Hein. Sprinter dans une boule, on peut pas dire que ça t'est arrivé très souvent dans ta carrière. Vous allez donc devoir, l'un et l'autre, être les plus rapides possibles, puisque c'est le premier qui passera la ligne d'arrivée qui fera gagner les 50 boyards à son équipe. Allez, la bonne chance allez, à tous les deux. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, Baptiste, allez, allez, bonne allez. Chance allez. Ça va aller, ça va aller. Allez, la G. Doucement. C'est avec le rythme, il faut trouver, c'est dur. Bien joué, Baptiste. Bien joué. Oh, il est bon, là. T'es bien. Allez, la G. Oh. La G est plus lourd, en fait. C'est du muscle, c'est du muscle, la G. T'es bien. T'es bien, Baptiste. C'est pour nous. Oh là 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 là, allez. Pour nous, ça. Oh là 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 là. Baptiste a une allez, bonne la avance. Allez, c'est maintenant. Allez, la G. Il passe là. Allez, allez, Baptiste, allez! C'est juste qu'il faut pas qu'il s'épuise. Faut pas qu'il tombe. Allez, Baptiste! Allez, la G! Allez, c'est maintenant! Allez, Baptiste! C'est toi, l'endurance! Oh, quelle partie! Regarde, la G, il a tout saisi. Allez, ouais, il arrive à rattraper un peu, je sais pas. Allez, la G! La G semble rattraper un peu son retard. Allez, allez, Baptiste! Mais évidemment, Baptiste a bien décidé de gagner! Allez, allez, allez! Il accélère! Allez! Oui, allez! Oh là 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 là! La G est en train de faire une remontée totale! Allez, Baptiste! Il passe, il passe! Allez, la G! Allez, Baptiste! Baptiste, malheureusement, vient de tomber au sein de sa boule! Ça se joue à rien. Allez, la G qui passe la ligne d'arrivée. Les rouges ont gagné. Les rouges sont les indestructibles pour le moment. Comment il a remonté la remontée. Franchement, beau spectacle. Je le soupçonne d'avoir même ménagé son effet de manière à pouvoir nous faire penser que... Et puis après, clac. Bravo. Bravo, bravo. Je vais vous proposer, les rouges, de prendre maintenant la couronne de notre coffre enchanté. Bravo. Et tu peux maintenant placer les 50 boyards dans la boîte de ton équipe. 130 boyards à zéro pour le moment. Bon, les blancs, je sais, c'est toujours un peu compliqué dans ces cas-là, mais je sais aussi que vous êtes des compétiteurs, donc vous n'allez pas vous laisser impressionner. Moi, j'ai confiance. On va enchaîner immédiatement avec la Féronie. Eh, hey, bravo, hein, quand même. Hein. Ah, c'était sportif, hein, y avait du... Dites-moi, la Féronie, vous avez trouvé une solution? Le problème, c'est qu'apparemment, le remède dépend du type de crapaud. Et malheureusement, je ne savais pas quel crapaud c'était. Au début, je me suis dit, peut-être c'est un crapaud tiron, mais c'est plus la saison. Soit peut-être c'était un crapaud easy, auquel cas je trouvais que les rimes n'étaient pas très riches. Quoi, quoi? On n'est pas du tout sur de Verlaine. Donc, probablement que c'était un crapaud lithique. Vous savez, c'est des crapauds qui font des promesses qui ne tiennent pas toujours. Voilà. Et si c'est ça, la solution, ce serait que j'avale une infusion de sourire crispé de candidat téméraire. Du coup, heureusement, j'ai une épuisette pour attraper des sourires crispés. Après, il faudrait que je trouve des candidats téméraires. Ah, bah, je suis belle, c'est là juste devant moi. Voilà, on va faire ça. Bon, écoutez, bah, j'ai envie de dire Sydney, Jessica, Elodie, Vincent, oui. Regardez ce qui vous attend. Sautez sur votre plan, tenez à deux là-haut. Si vous le faites en premier, eh ben, vous avez gagné. Si vous tombez à l'eau, eh ben, ce sera vraiment ballot. Balibalo, chute à Duplo, c'était vraiment très rigolo. Allez, bonne chance. Attention! Avec ce jeu, c'est à nouveau 50 boyards qui sont promis pour l'équipe gagnante. Allez, la famille, allez! On est là! On est là, on est là! Il va falloir que les deux candidats se trouvent tous les deux sur un même plot, en équilibre. J'attendrai que tu me dises essai. Si jamais vous tombez, vous pouvez revenir sur la berge et recommencer, bien sûr, pour un nouvel essai. Bien compris? Oui! Oui! Yes! Attention! 3, 2, 1, c'est parti! Allez, bien joué! Allez, vite, 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 vite! Il est descendu, on a le temps, prends ton temps.
allez. Allez, la famille, allez. Allez. Ah, madame, vous êtes mouillés, vous glissez, oh là là. Tu peux reculer ou pas? Doucement. Oui. T'as gagné. Victoire des Rouges. Bravo. Bravo, Elodie. Bravo, Vincent. C'était super dur, en fait. Bravo, bravo. Vous avez surtout été super fort. Vous avez gagné le deuxième jeu de la rivière enchantée. Venez me rejoindre. Et les voici qui reviennent, portés par la victoire. Et Ladji est avec nous aussi. Le fait d'avoir réussi cette épreuve vous permet d'avoir accès à nouveau à notre coffre enchanté. Alors, il nous reste encore un jeu. Et Brahim, qui est tout seul sur son nénuphar, se dit qu'il a bien l'impression que ça va être pour lui. Nous allons voir grâce à la féroïque. Il arrive. Oui, oui. Ah, excusez-moi, madame la fée. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? C'est le remède contre les pustules, vous savez, l'infusion de souris crispée. Bon, normalement, il faut en prendre 5 gouttes. Moi, j'en prends plus, parce que comme ça, moi, ça accélère le processus. Ouh là là, vous n'avez pas peur des effets secondaires? Non. Eh, vous inquiétez pas, je suis une fée quand même, je m'y connais en potions. En tout cas, ce que je voulais vous dire, moi, aux candidats, et notamment à Brahim, c'est que, ok, vous avez les boyards, il faut en gagner, etc. Mais moi, ce que j'ai aimé chez les blancs, c'est cette fougue, cette pétulance que j'ai trouvé merveilleuse. C'est vraiment splendide, ça. Super. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Vous avez pas l'impression que je parle au ralenti, Olivier? Un peu. Bah, c'est-à-dire que oui, moi j'ai l'impression que vous en avez trop pris. Oh, vous pensez que c'est ça? Attendez, je lis la notice. Nananana, blablabla, ne pas prendre plus de 5 gouttes, sinon vous risquez de parler au ralenti pour une durée indéterminée. Oh, j'espère que c'est... Quoi contagieux, pas contagieux. Comment vous faire du coup, Brahim et Ladji, puisqu'ils sont de la prochaine épreuve. Bon, bah écoutez, Brahim, Ladji, bonne chance, car... Regardez ce qui vous attend. Vous ne savez pas marcher sur l'eau? Pas de panique, la roue tourne. Si vous voulez l'emporter, faut être le dernier à tomber. Je suis tombée pour elle. Allez mec, kiffe. Dans le respect, faut qu'on se tire la bourre. C'est comme ça qu'on se respecte. Vous êtes en place, c'est parfait. Vous allez devoir tenir en équilibre sur ces trous. Bonne chance à vous deux. Allez Ladji. Allez Brahim. 3, 2, 1, go. Allez. Oh la vache. Super Brahim. C'est bien Ladji. Tenir en équilibre sur ces trous n'est pas chose évidente. Allez, Brahim. Super, Brahim. Magnifique. Pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal. Et pour Ladji. Allez, Ladji. Et pour Brahim. Les gars, allez, on continue. Allez, on lâche pas. C'est bien, Ladji, garde le rythme. C'est super. Allez, Brahim, c'est top. Ah, la roue maintenant accélère. Ça s'est accéléré. Ouais, carrément. Ah là 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 là. C'est horrible. C'est horrible. Allez, Ladji, c'est bien. Bravo, c'est bien. Reste stable, bien lourd. Super Brahim, ça passe. Ah, il se débrouille bien, Brahim aussi. Brahim, il est bien concentré là aussi. Oh là. Allez, Brahim, magnifique. Pour l'instant, le rythme est parfait. Allez. Très bien, Ladji, parfait, Brahim. Ladji, ça va le faire. C'est très, très, très bien. Oh là 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 là. Ils vont jusqu'où comme ça? C'est stressant. Mais ils vont jusqu'à Dieppe. La vitesse est à son maximum maintenant. Oh là 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 là. C'est bien, Ladji. C'est la première fois que nous avons deux candidats à ce point synchrone, qu'aucun des deux ne tombe. Alors que la roue est à sa vitesse maximale. C'est super, Ladji, bravo! Bravo, Ladji! Le chrono est presque fini. S'ils arrivent à rester en équilibre jusqu'à la fin du chrono, il y aura égalité. D'accord. 25 boyards pour chaque équipe. Allez, on continue. Allez, Ladji! Passons les doigts. C'est impeccable. Allez! Moins de 10 secondes, allez. Bientôt terminé. C'est bien, Ladji, oh, ça va. Là, là, les gars! Les gars, allez, on continue. 4, 3, 2, 1. Fin du chrono! Bravo! Bravo! Bravo. Les rouges et les blancs, vous allez tous les deux gagner ce jeu! Bravo à tous les deux! Bravo Ladji! Ce qui veut dire qu'il y aura 25 boyards pour chaque équipe! Les bravo, voici nos deux champions! Ladji, Brahim, bravo! Bravo! Bravo, tournons-nous vers la féroïque. Oh bravo, hein! Oh, oui. C'est beau là, on aurait dit deux petits crapauds! Ah, oh, dites donc, madame la fée, j'ai l'impression que ça va mieux, vous. Ah oui, ça va mieux. Alors bon, les pustules, apparemment, il faut un peu de temps. Par contre, pour la voix, regardez, hop, j'ai pris un petit spray, du coup, action hyper rapide. Attendez, vous avez fait attention aux doses? Ah oui, oh non, j'ai pas fait la même bêtise que tout à l'heure, hein. Je voulais pas me refaire des effets secondaires. Après, par contre, sur celui-là, il y a quand même écrit effets secondaires, risque de troubles digestifs. C'est quoi ça déjà, les troubles digestifs? Vous savez bien, c'est les gaz, les proutes, tout ça. Des choses comme ça. Il y a de l'orage, non? J'entends du tonnerre. Je serais bien restée plus longtemps, mais j'ai du linge à faire sécher. Ah oui? Je vous retrouve après. Bonne soirée. Et dans un grand vent de fleurs, nous avons terminé cette aventure de la rivière enchantée. Ouf, c'est terrible, je sais pas si c'est... Il y a une odeur de marécage tout d'un coup. Ça s'accroche. Alors, Mesdames et messieurs, attention, attention, la salle des arcades est ouverte. Venez vous amuser sur les plus grands jeux des stands forains. Qu'est-ce qu'on va faire, vous? Vous avez pas compris? Il faut partir à la salle des arcades, allez, dépêchez-vous.
Bien sûr. Dans la troisième. Les sept zones du parc, allez, zou. Ça va, allez, filez. Les arcades. Moi, Willy Rovelli, j'ai décidé de permettre à une équipe de participer à une attraction bonus. Un ticket d'or sera remis par notre directeur à l'équipe qui sera la plus performante dans la salle des arcades. C'est le ticket d'or, c'est pour les rouges. Qui s'est vu, quoi. Vous êtes sûr? Et ce soir, ce ticket d'or, il est pour une. Oui. C'est même pas la peine que l'autre équipe joue face à nous. On va gagner. Ah, merci. Le directeur vous invite dans une toute nouvelle zone du parc où le rêve va devoir se gagner. Regardez là-bas. Les passes. Ils sont chargés de vous expliquer comment fonctionnent les jeux. Ils sont hors d'eau. Willy Rovelli, le plus grand des directeurs. Willy Rovelli, vous invite à l'intérieur. Et attention, ça va saigner. Qu'on se voit, hein, monsieur le directeur. J'aime bien quand vous me donnez du vous, j'adore ça. Allez, venez. Prenez place. Chers visiteurs, installez-vous. Bienvenue dans ma salle des arcades. Oh. Ah, ici, c'est moi qui ai tout fait. Magnifique, bravo. Enfin, c'est moi qui ai donné les ordres pour qu'on le fasse, évidemment. Joli. Mes amis, ici, j'ai réuni les plus grands jeux adaptés des plus grands classiques de la fête foraine. L'équipe qui aura gagné deux jeux repartira avec un ticket d'or. Oh, à quoi sert-il, vous allez me dire? À quoi sert-il? Ce ticket d'or va vous donner le droit de participer à une attraction supplémentaire que vous ferez là, juste après en sortant, et qui vous permettra de gagner des boyards supplémentaires. Donc il faudra se battre pour l'avoir, ce ticket d'or. Alors, qui va désigner les jeux? Eh ben, c'est pas moi, je suis directeur, je ne fous rien, c'est elle. La machine. Les gens sont éblouis. Alors pour déclencher la machine, il faut mettre un boyard ici, l'équipe blanc, les rouges ici. Allez, on y va. Pour déclencher cette machine, il va falloir l'acclamer, il va falloir l'appeler, la supplier. Machine. Vous allez faire le jeu réflexe. Attention. Pour le jeu réflexe, il vous faudra faire preuve de réflexe. Des cylindres vont chuter. Il faut les attraper. Vous en saisissez un, vous marquez le premier point. Mais il vous en faut deux pour remporter le jeu. Allez, chez les blancs, chez les rouges. Allez-y, discutez entre vous. Qui a des réflexes? Qui a des réflexes? Vas-y, mon rat. C'est pas très adroit, mais c'est vrai parce que ça. Allez, j'y vais. Alors, chez les rouges, Albert. Tu devrais pas te moquer. Chez les blancs, c'est ouais, de même quoi. Eh bien écoutez, je n'ai plus qu'à vous dire. En piste. Sydney, Albert, vous avez donc décidé de vous ridiculiser devant la France entière. Soit, vous n'y arriverez jamais. Mais enfin bon, allez, bonne chance. Les cylindres peuvent tomber à tout instant. Nous allons jouer en deux cylindres gagnants. S'il y a égalité, eh bien nous allons faire quelque chose que j'adore. Nous jouerons à la mort subite. Allez, Albert, bonne chance. Allez, merci. Concentrez. C'est pour toi. Ne quitte rien des yeux. Ne déconcentre pas par le bruit. Ne déconcentrez pas. Respire. Respire bien et concentre. Il triche le rouge. Chut. Mental. Concentre, chut. N'écoute pas. Ouais. Vas-y. On croit en toi. Ah oui. De partout, alors là, c'est la mort subite. Ah, ce mot, je l'adore. Mort subite. Concentre, Sidney. Là. Sidney, t'es lassé. Ah, c'est vrai qu'elle avait craqué. C'est pas grave. Un jeu de gagné pour les blancs. Bravo, Albert. Bravo, Albert. Non, vraiment. Les blancs, un point pour vous. Encore un jeu de gagné, ça vous fera deux points et vous aurez le ticket d'or. Quand alors que vous êtes loin.
Mais loin. Mais vous allez peut-être pouvoir vous rattraper maintenant. La machine va vous donner un nouveau jeu, mais pour cela, il faut remettre une petite pièce. Allez, grâce. Oh, ça colle. Ça, c'est de la grâce. Et maintenant, on acclame ma machine. Machine! Fais-moi un signe, machine! Alors là, ça va être un duel sanglant. Les pistoleros. Dans ce duel de cow-boy, il faut tirer le premier et faire tomber la cible de la couleur indiquée. Deux cibles renversées. Bravo! Le duel est gagné. Là, il va falloir faire preuve de rapidité et de précision. Alors, qui? Moi, je veux dire, a priori, précision. Ça peut le faire. Vincent. Est-ce que je bloque ma respiration? Alors, chez les rouges? Vincent. Voilà, qui? Chez les blancs? C'est moi. En piste! Chers visiteurs, face à vous, deux cow-boys les plus redoutables du Fort West. Ils s'affrontent dans la ville de Los Boyardos. Oh là là! Un des deux ne s'en sortira pas vivant. Adieu! Je vous rappelle, cow-boy, deux cibles gagnantes. J'avais envie de vous dire bonne chance, et puis finalement non. Allez-y! Merci Vincent. Allez, tranquille. T'as aucune chance, vas-y, fonce. Ah, oui. Un point pour Bray. Allez, Vincent, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est possible. Vas-y. Allez, on y va. Pareil. T'inquiète. Concentration. Cette deuxième victoire, les Blancs, vous repartez avec mon ticket d'or. On vous applaudit, pardon, c'est bien, c'est quand même. Non, mais dégoûté, quoi. Ce ticket va vous permettre de participer à une attraction bonus, là, maintenant, tout de suite. Et il s'agit de... Ah, pas mal. La Maison des Clowns. C'est la première attraction de la quatrième zone du parc. Le Royaume de l'Horreur. Allez-y, filez, partez tous. Salut. Au revoir. Allez. Écoutez, merci, hein. Voilà. Au revoir. C'était vraiment tada. On y est. Bah, de toute façon, on peut difficilement faire pire. On est d'accord. On se motive. On repart. De plus belle. Oh, ça va, arrête de te la péter, ton ticket d'or, là. Boyarland a connu des jours heureux. Mais les temps ont changé. D'étranges et inquiétants bruits se font entendre tout autour. Entrez dans le royaume de l'horreur et découvrez une maison de clowns qui n'a rien de comique. Une balade en bateau qui va tomber à l'eau. Des cabines hantées. Une mine abandonnée. Un golf miniature peuplé de créatures. Vous êtes sur le point d'arriver. Impossible de reculer. Le royaume de l'horreur, pour moi, c'est les pires cauchemars qui reviennent dans un seul endroit. Je pense que dans les nuits qui arrivent, je vais me réveiller pour aller dormir dans l'île de mes enfants, en fait. C'est plutôt ça. Si je suis surpris, il y a de grandes chances que je m'exprime d'une certaine manière, et notamment en criant ou en hurlant. Le royaume de l'horreur, des attractions qui font peur. La Maison des Clowns, c'est la première attraction du royaume de l'horreur. Bravo pour le ticket d'or, mes amis. Merci, les amis. Chapeau. Ticket d'or est avec nous. Qui aime les clowns parmi vous? Oh, ça me dérange pas. Ouais, ça va. En ce cas, c'est qu'il n'y en aura qu'un, aucune qui ira dans la Maison des Clowns. Pour cela, il faut donner le ticket à Pastille Parle. Vous avez 180 boyards de retard, et là, il y a 50 boyards de plus à récupérer. Pastille Parle, qui va donc y aller? Merci. 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 Vas-y, file par là. Regardez le Pastille Parle. Ils étaient tous les deux dans un regard et qui en disaient long. Voici maintenant quelques conseils. Bienvenue à la Maison des Clowns. Libérez cet ourson, voilà votre mission. Mais un petit farceur vous causera bien des frayeurs. La Maison des Clowns. Pas si drôle, mais sacrément flippant. Mathis, comment te sens-tu? Je suis confiant.
Je vais donner le meilleur de moi-même. Mais ça, je sais. Ah bon. On est là pour l'assaut, on va tout faire. Voilà. Mais je vous cache pas que j'ai un peu de stress. Mais voilà. Eh, t'es dans la rage, comment ça se passe? Oui, c'est ça que j'aime. Oui. Attention. 3, 2, 1, vas-y. Voilà, très bien. Bah, et maintenant, tu le fais coulisser. T'as le temps, tranquille. C'est bon. Voilà, très bien. Oh mon Dieu, bon. Mais quelle horreur. Il est émotif comme ça. Oh, j'ai un truc à moi, Ah mon Dieu! Les gars, je peux pas! Mais si, tu vas y arriver! Allez, vas-y, tu vas le faire! Réfléchis pas! Réfléchis pas, t'as la fin! S'il vous plaît, petit rat! Voilà, bravo! Qu'est-ce que tu fais? Lâche, frère, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Cours, voilà, là, c'est bien! Très bien, mon pote! Il faut que tu ouvres le placard! Voilà, c'est bon! Les oiseaux, mon pote! Ah, c'est bon! Ah, c'est les oiseaux, mon frère! Petite hirondelle! C'est bon ça! Allez, là, il faut vraiment pas perdre de temps là! Allez, on va y arriver! Merci, bravo! Merci, les amis! C'est pour vous, c'est pour l'assaut, les gars! Bravo! Voilà mon copain. Vas-y, donne-le. Oui, pas si drôle, oui, oui. 50 boyards de plus pour les blancs. Nous allons maintenant aux cabines hantées. On y va tout de suite. Eh oui, oui, voilà, mais pas si vite. Cabine hantée, c'est la deuxième attraction du royaume de l'horreur. Dans chaque cabine hantée, il faut trouver une clé qui ouvre celle d'après. Alors, n'ayez pas peur et soyez le meilleur. Les cabines hantées, une attraction qui fout les boules. Ce qui est excitant dans l'attraction des cabines, c'est d'aller le plus vite possible sans savoir ce qu'on va ouvrir. Je vais en faire des cauchemars si je vais dans cette attraction. Perdre mon sang-froid, moi ? Jamais. Je veux pas aller dans ces cabines. En avant les copains. On y va. Devant. C'est magnifique. Allez, venez les blancs d'un côté, les rouges de l'autre. Vous allez pouvoir admirer les cabines hantées qui se trouvent juste devant nous. Vous allez devoir les explorer le plus rapidement possible puisqu'il faut retrouver un Willis qui permettra de récupérer 80 boyards. Waouh, nous les faut. Ça serait parfait. Nous les faut, ouais. Vous allez devoir abandonner un ticket. Regardez-moi ce petit cœur sucré. On a envie de vous dévorer. C'est la touche de douceur dans ce monde d'horreur. Voilà. Merci beaucoup. Passe-moi le sucre. Tu vas maintenant pouvoir nous donner l'identité des deux candidats qui vont jouer. J'ai un petit peu la pression quand même. Attention. Ah, c'est Jessica et Elodie. Ah, duel de filles. Ah, j'aime ça. Les comptes. Allez chercher votre clé auprès de Passe-moi le sucre. Merci beaucoup. C'est la clé de la première cabine, bien sûr, que vous allez devoir explorer. Merci. Cabine numéro 6 pour Elodie. Toi, Jessica, la cabine numéro 8. Mesdemoiselles, êtes-vous prêtes? Yes. Oui. Allez. 3, 2, 1, go! Allez, Jess, allez. Super, Jess, super. Allez. Regardez-les, on dirait deux petites gazelles. Allez, file. Ah, t'as mis 200 mètres. Ça va aller, l'eau, ça va aller. Cours. Jessica m'a l'air plus véloce que Elodie. Rate pas la clé, quand même. La clé, Jess. Cours avec la clé. C'est dommage parce qu'elle arrive en avance, mais elle ouvre pas. C'est ballot. Allez, l'eau, allez. Allez, gère. La première cabine est un pigeonnier. Allez, Jess. Je peux pas ouvrir la porte! Par en bas, Jess, par en bas! Allez, allez!
Les deux sortent en même temps. Allez, allez, allez. Concentré, concentré. Allez, Jess, allez, allez. Super. Nouvelle cabine, maintenant, elle est aux toilettes. Et les toilettes ont des fuites. Nickel. Attention, la chasse d'eau. Oh là là. Bien joué, allez, super. Jessica, prends la tête. T'as une porte d'avant. Tranquille, tranquille, Jess, super. Elle fonce vers sa troisième cabine, ça arrange les blancs. Elle est en plein dans les boules. Il faut trouver la boule transparente. Allez, allez, super, Jess. Oh, elle rigole pas. Jette pas la clé. Allez, Maëlo. Oh, chiotte. T'as trouvé? Combien? 38. Allez, c'est juste là, là. Allez, attention. Allez, dégage, j'ai boule. Et maintenant se trouver aussi dans les boules. Allez, Jess, allez, allez. Impossible. Ah, Elodie a trouvé sa boule. Vas-y, Maëlo. Super. 31. Là. Elle était trop forte, elle a tout jeté. Lucie, d'accord, tranquille. Elodie, maintenant avec les rats. Je suis malade. Vas-y, Jess, allez, allez, Jess, c'est pas fini. Je suis vexe. Elle a dû l'acheter. Allez. Allez, Elo. Jessica est toujours dans les boules. Non, trop fort. Il y en a partout. Ah, je suis deg. Regarde bien autour de toi. Elodie, continue. C'est la salle des serpents. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a partout. Il y a plein de serpents. C'est ça qui fait peur. 25. Là, ici. Très beau rythme. Jessica est toujours dans les boules. Non, trop fort. Il y en a partout. Jessica a les boules. Allez, encore. Maintenant, Elodie est dans le stock de peinture. Ok, faut que j'aille au fond. Elle a combien de cabines d'avance? C'est bon, elle est loin. Regarde bien. Y a quoi, Elo? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? On va revenir dans un état pas possible. Elle l'a récupéré. Même toi. Là. Les garçons, vous l'avez pas trouvé la boule par terre? Non, bon, elle est pas en bas, c'est sûr. Allez, Jess, allez. Tu l'as? Eh ouais, elle a trouvé. Jessica a enfin trouvé sa boule. Attends, vas-y, c'est pas fini, allez, pour l'honneur. Ah, c'est trop beau, c'est plein de doudou. Il est bon. Ouais. Bravo. Elodie fait gagner l'équipe des Rouges. Bravo. Jessica, je suis dégoûtée. En fait, tu l'as virée dehors. C'était horrible. Nous sommes avec Elodie, bien barbouillée. Tu as été courageuse, je te le dis. J'ai rencontré des potes, serpents, rats, c'était sympa. Bon, tu fais des amis finalement. Ouais. Donne le Willys à passe-moi le sucre. Je suis désolée, je l'ai un peu salé au passage. Pardon, passe-moi le sucre. 80 moyens de plus. Nous allons enchaîner parce que je pense que les Blancs sont plus que jamais avides de réussite. Nous allons à l'énigma. Allez à vos barrières mobiles les uns et les autres, je vous y retrouve dans un instant. Allez la famille, allez, allez. Oh là là, chaud de mort. Allez, Rio. Allez, chaud. Enigma. C'est très bien, ça, c'est très bien. Voyez, Pascal Park, je peux toujours compter sur vous pour bien nettoyer mon parc d'attractions avec mon valet. Vous êtes mon meilleur employé. Voyez, vous êtes grand par la taille, certes, mais aussi grand par le cœur. Voilà, il parle peu, mais bien. Embarquez à bord de l'Enigma. Et répondez à l'énigme du capitaine Foura. Voici l'énigme. Avant que la planche ne se dérobe sous vos pieds. Et si vous finissez par tomber, un conseil. Fuyez. L'énigma. Alors, qui sera mangé? Ohé, ohé. Le bateau pirate, déjà dans une fête foraine, c'est la base. Faut y aller, ouais. J'espère que je finirai pas dans la cale, c'est ça le problème. Ah, les gars. Yeah. Tout se contient, hein. Bienvenue à l'énigma. Venez. Les jumelles, salut. Vous êtes accueillis joyeusement par les doubles passes. C'est un fameux trois-mâts, pas comme un oiseau, l'énigma. Du père Foura. Oyez, mon chaillon. La réponse, c'est 80 boyards. Je suis fière d'y être matelot. Merci. On adore les 80 boyards, en effet. C'est l'enjeu de cette attraction. Toujours le même principe, donnez un petit ticket à nos amis et double passe. Bonsoir. Merci. Avec plaisir. Eh bien, nous allons connaître les noms. Allez. Un petit moment de stress. Sidney et Vincent. Allez-y, je vous en prie. C'est parti, merci mademoiselle. A bientôt. Vous vous laissez pas envoûter par ces deux créatures parce qu'elles sont diaboliques. Mais dites donc, ça va bien, oui. Ah la vache, il y a des crocodiles. Oh
Mais non. C'est pas vrai. Vincent, ne te laisse pas impressionner. Vas-y. Mais non, c'est pas vrai. Je te jure, il y a des crocodiles. En plastique. Mais non. Non, non, des vrais crocodiles. C'est des alligators avec des têtes d'alligators, des dents d'alligator. C'est un animation. C'est là. Mais non, non. Oui, non, oui, non, je sais bien. Je te jure. Moi, tu fais pas. Vas-y, entre. Ok. Non, mais attends, je te cours. Regarde ça. Oui, oui. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, il faut pas que je tombe avant. Non, mais attends, vous êtes des malades. Bah, c'est Boyerland, rien de très surprenant. Les alligators, c'est même la première fois, je crois, que j'en vois. Eh bien, tu vois, il y a une première à tout. Ah, ouais, non, c'est flippant. Et cette première sera peut-être d'ailleurs couronnée par le fait que peut-être tu auras la chance de nager avec eux. Ouais. Le seul moyen de ne pas nager avec eux, eh bien, c'est de résoudre l'énigme. Alors, bonne chance à vous deux, check. Messieurs. Oyez, oyez, moussaillon. Bienvenue à bord de mon navire, l'Enigma. J'espère que vous êtes prêts à subir le supplice de la planche. Je vais vous proposer une énigme. À vous de trouver la bonne réponse avant que la planche ne se dérobe complètement sous vos pieds et que j'ai vous serriez d'amuse-gueule au crocodile. Je vous aimais bien. Moi aussi. Voici l'énigme. Petit ou bien grand. Oh non! Non! Il peut être humiliant. Il permet de se reposer et relie les terres éloignées. Qui est-il? Un océan, une presqu'île. Allez, je répète, mes petits flibustiers. Oh non! Petit ou bien grand, il peut être humiliant. Il permet de se reposer et relie les terres éloignées. Qui est-il? Un pont? Eh oui, la bonne réponse était le pont. Mais il a eu. Allez, va nager des grands chiens. C'est la première réponse en plus. Ah, Prada! Ah, j'ai touché là. Attention, ça attaque. Attention, ah ouais. pousse. Attends, j'arrive pas à sortir. Mais tu peux pas, ça glisse. Ah, il est là. Je vais t'aider. Viens m'aider, toi. Depuis tout à l'heure, il me regarde. Ah, il a qui touche les fesses. Il arrive par derrière, regarde. Attends. Hop. Ah, il y en a qui est à côté de moi. Attends. J'ai touché. Attends. Je prends ton froc. Tiens, voilà. Vas-y, ramène tout. Vas-y, ne tombe pas, s'il te plaît. Allez, viens là. Il fait pas de sport, ce gars-là. Ah, merci. C'est bon, là. Oh la vache. Bravo, Sydney, et bravo, Vincent. Sydney, tu t'en sors très bien, et surtout, tu permets à ton équipe de récupérer maintenant 80 voyages. Regardez, la trappe s'est ouverte. Allez. Baptiste, tu peux donner le Willys. Ah, j'ai le droit. Bravo. 20 boyards de plus pour les blancs. Ça nous donne 283 boyards pour les rouges et pour les blancs, un total de 153. Vous voyez, on commence à réduire l'écart. Avec cette attraction, le royaume de l'horreur, c'est fini. Ça, c'est une annonce de monsieur le directeur. Chers visiteurs, vous en avez marre du déjà vu. Eh bien, vous n'allez pas être déçus. Direction le chapiteau pour un sacré numéro. Tout de suite, direction la zone numéro 5 et allez au cirque, s'il vous plaît. Allez, vite, là. Oui, en effet, c'est écrit. Rendez-vous au cirque. Au revoir. Salut les petits cocos. Salut. Ciao. Je n'avais jamais croisé d'alligator de ma vie. Hein. Dans nos régions, c'est parce qu'on voit le plus. Ah, Prada. Willy, tu marques un point sur ce coup-là. Mais t'inquiète pas, le parc est grand et méfie-toi. La bête. Petit. Bienvenue au cirque. Le cirque. Du latin circus, cercle, amphithéâtre pour jeu public. Si aujourd'hui il n'évoque que sourire ou bien magie, hier, on y luttait pour y garder la vie. Combat de gladiateurs face à des bêtes sans peur. Ce soir, l'histoire va se réécrire devant nous, la dresseuse du parc. N'attend plus que vous. Et ma bête féroce va s'en prendre à vous. Impossible de s'évader. Il va falloir l'affronter. C'est trop beau.
Ratatarararatata. C'est hyper excitant ce truc. Ouh, ouais. Mesdames et messieurs, bienvenue au cirque. Mm-hmm. Je suis Camille-Ange, mi-démon. Bonjour madame. Vous connaissez le jeu du chat et de la souris? Oui. J'adore ça depuis longtemps. Eh bien, c'est à ça que nous allons jouer ce soir. Super. Dans le rôle des petites souris inoffensives, vous. Et dans le rôle du chat, un gros matou qui va vous rendre fou. Je l'ai dressé à l'attaque. Mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, je vous demande d'accueillir la bête. Ah oui. Ok, arrête le café, hein. Il va vous rendre complètement fou. Tu ne me regardes pas. Ah, moi j'aime pas, ça me fait peur. Moi j'ai peur. Pour éviter la défaite, regardez ce petit pense-bête. On est tous ni ange, ni démon. Mais pour le découvrir, il va falloir réveiller la bête qui sommeille en chacun d'entre vous. La bête va chasser tour à tour trois membres de chaque équipe. Si votre Willis est décroché, vous êtes éliminé. Quand le troisième est attrapé, le temps de l'équipe est validé. Celle qui mettra le plus de temps à se faire attraper remportera 80 boyards. Je te jure, on se croirait dans Walking Dead. Vous l'avez donc compris, il y a 80 boyards à la clé. Mm-hmm. Vous êtes venus pour les boyards, non? Bien sûr. Alors du coup, les rouges, les blancs, qui souhaitent se jeter en premier dans l'arène? Allez-y. Non, non, allez-y. Non, vous d'abord. Non, mais ça va. Ils sont toujours les malins, montrez-nous. Personne. Non, non, on a un argument. Albert et moi, on est des saltimbanques, eux sont des sportifs. Ah, c'est le cirque, poison, saltimbanque. Silence. Nous allons donc procéder à un tirage au sort. Là, voilà. La bête, au pied. Le sort a parlé pour vous. Les rouges, c'est vous qui allez affronter la bête. En premier. Décidément. Je vous laisse choisir les trois concurrents qui affronteront ma bête. Tu veux aller? Non, allez-y. Vous avez le droit de réfléchir et de prendre votre temps. Albert, tu vas pas, t'es sûr? Non, allez-y. D'accord. Très bien, alors en piste. Bisous. Bisous. Et bonne chance. Ladji, vous reconnaissez quelques obstacles? Vous qui avez l'habitude de ce genre d'exercice? Bah normalement, je vais tout droit. Vous pouvez tenter d'aller tout droit si vous voulez. Si vous le maîtrisez, ok. Ou sinon, non. Et vous, Elodie? Oh, je sais pas comment le contrerai-je. Aucune idée, en fait. Mais j'ai confiance en mon équipe, ça va le faire, hein, les gars. Cette partie s'annonce très bien. Vous êtes prêts? Non. C'est pas grave. 3, 2, 1, la chasse est ouverte! Allez, bougez! Non, arrêtez quand même, je te regarde pas. Reste tout à l'heure, Elodie, reste tout à l'heure. Hop, hop, hop. Non! Ah, le con! Attention! Ah, il y en a un! Il m'a dégagé en deux secondes! Va-t'en, Elodie, va-t'en! Bah oui, non, reste tout à l'heure! J'ai mal poussé! Ah, il y en a deux! Elodie, applique-toi! Qu'est-ce qu'il est fort! Va-t'en! Va-t'en! Voilà, bouge pas! Laisse-moi, je suis gentille, je te jure, laisse-moi tranquille! Je vais où, les gars? Non, laisse-moi! Là-bas, là-bas! Laisse-le bouger d'abord! Et toi, tu décides par rapport à où il va! Mais non, c'est fini, ça y est, c'est fini! Non. Fin du game! Bravo! Les trois Willys ont été décrochés! Bravo, la bête! Les rouges, j'espère que vous êtes fiers de votre prestation. Ouais, bah bien sûr, évidemment. Les blancs, est-ce que vous êtes prêts? Bah, évidemment. Je vous laisse choisir les trois concurrents qui affronteront la bête. Je pense que vous êtes tous les trois. Ouais. Allez. Vous êtes sûr, vous avez le droit de réfléchir, hein? C'est tout. Réfléchis pas. Très bien, alors en piste. Les blancs, pensez-vous pouvoir résister plus longtemps que les rouges? Ouais. C'est un petit oui, je trouve. Ah, moi, c'est simple, je faisais ce jeu-là avec ma mère quand j'étais petite. Hmm. Baptiste, n'hésitez pas à chanter une petite chanson pour amadouer la bête. Bien sûr, ouais. On va lui chanter une belle chanson. 3, 2, 1. Allez, la bête! Allez, on prend toi! Bien joué! Reste là. Allez, la bête! Brahim, coupole! Bien joué, Brahim! Bien joué! Accélère! Bien joué! Ah, il a eu! Viens,
Viens là, voilà. Allez, la bête. Moi, je suis pour la bête. Reste là-bas, Jess. Reste loin. C'est mort, laisse-toi faire. Allez, la bête. Viens là, Baptiste. Allez, la bête. Encore, le plus impossible. C'est bon, on est là. Allez, les ça va. Bravo. Encore, le côté. Vais jouer. Côté, si tu peux. Bien, c'est bien. C'est bon, allez, la bête, vite. Bien joué, bien, c'est pas grave. Vous avez trois Willys ont été décrochés. Bien joué. Maintenant, j'imagine que vous n'avez qu'une envie. Savoir qui est rouge, qui est blanc, et rester le plus longtemps dans l'arène. Évidemment, c'est nous. C'est bon, on est là. Sachez que ça s'est joué à une petite seconde. Une seconde. Alors, qui est-ce? À une grosse seconde. Ce sont les... Rouges. Oui, bravo. Voilà. Bonne quand même, bon joueur. Bonne nouvelle, bravo. Bonne Albert, bravo. Les rouges, j'ai une autre bonne nouvelle pour vous. Ah bah c'est quoi? Je suis un ange, gardien d'une précieuse carte. Un joker. Ah, c'est pas un ticket d'or. Qui vous donnera un avantage lors d'une prochaine attraction. Et ce joker, il va falloir le gagner. Ah, regardez plutôt. Plutôt ange ou démon? Qu'importe, les rôles s'inversent. Les chats deviennent souris et les souris se transforment en chats. Choisissez les deux meilleurs chasseurs qui viendront à bout de la bête. La chasse est ouverte! Vous avez 60 secondes. Si vous y parvenez, le joker est à vous. Alors, pensez-vous être plus fort que la bête? Oui, on y croit, les gars! Les deux concurrents que vous souhaitez envoyer. Allez-y tous les deux, tiens, parce que là... Avec moi, et ouais. Elle va le draguer et moi, je vais arriver. Chacun sa stratégie. 60 secondes, cela vous paraît faisable? Oui, il faut. Alors, vous comptez plutôt sur votre côté sportif ou sur la stratégie? 50-50. 50-50. Vous pouvez montrer mes seins? Oui. J'ai hâte de voir. Alors, 3, 2, 1... La chasse est ouverte. Oui. Oh, c'était loin. Oh, il était pas loin. Il faut l'encercler. C'est bon, là, Gigi, là. Ah là là là. Je savais qu'il allait faire ça. Il reste 40 secondes, je compte dans ma tête. Il vole. Oui. Allez. Vous l'avez? C'est bon. Tiens. Un, deux. Yes, papy. Allô, la bête. Oh là là. Tu peux récupérer ta bête. Les rouges, vous pouvez rejoindre votre équipe. Le joker. Okay. Vous pouvez venir le chercher. Capitaine. Merci, madame. La bête, je suis très, très déçue. Oh, palier. Quant à vous, qu'est-ce que vous faites encore là? Allez, hors de ma vue. Allez. Plus vite que ça. Ça a pas été facile, hein. Allez. Aïe. Au revoir, madame. À bientôt. Alors. Comment ça s'est passé, le cirque? Très bien. Génial. Bah écoutez, je suis très embêtée parce que j'avais demandé à Pas Si Drôle qu'ils vous disent le nom de la prochaine zone où vous devez aller. Mais alors, je comprends pas, ils doivent aller où, là, exactement? Voilà, non, mais ils doivent aller où, exactement? C'est où, ils doivent... Ouais, voilà. Bon, bah, je ne sais pas. Écoutez, ils bug, je ne sais pas où vous devez aller. Rejoignez Olivier, il vous attend à la première attraction de la sixième zone. Toujours pas? Voilà. Il a les boules. Allez, mais il est très drôle, C'est ça. Excuse-moi, en fait. Moi, ça me fait trop rire, en fait, j'adore. Pas Si Drôle, il est si drôle. Au revoir, Pas Si Drôle. Cœur avec les mains. Merci, monsieur le directeur. Ils te font tourner la tête. Mes manèges à moi. Je sens que ça va être ta fête. Tu chuteras, tu tomberas. Tu feras le tour de mon monde. Dans le monde fantastique, il y a le mot fun, et ça représente complètement notre équipe. Donc on lâche pas la compétition, mais on garde toujours ce côté fun. Ça a l'air d'être amusant, mais les mots des fois, je crains le pire, mais bon. De toute façon, je suis là maintenant, je vais pas partir. Hein. Le monde fantastique, c'est fantastiquement fun. La taupe,
Alpes. C'est la première attraction du monde fantastique. Yes. Il reste encore quelques attractions. C'est le moment où jamais de réduire l'écart entre les rouges et les blancs. Mais avant ça, je dois vous dire que Albert a dû nous quitter. En effet, il a dû partir pour un impératif personnel. Il est tout cœur avec nous et je pense qu'il va nous porter bonheur et on va penser fort à lui et gagner aussi pour lui et pour l'UNICEF. Oui. Vous le voyez, nous sommes ici dans la première attraction du monde fantastique avec la taupe. C'est une jolie taupe, tu sais. C'est beau l'amour. Il faut maintenant que vous donniez un petit ticket. Merci Brahim. Élodie, le ticket pour les rouges. S'il vous plaît, madame. Parfait. Passe-moi le sucre. C'est Brahim et Ladji. Oh, le regard, te laisse pas faire, Ladji. Je sens là la fougue des athlètes. Mais avant cela, j'aimerais qu'on regarde quelques petites consignes. Soyez attentifs. Il va falloir s'accrocher. Le jeu va démarrer. Et quand vous serez éjecté, ne soyez pas déboussolé. Récupérez le maillet. Et allez la frapper. La taupe. Un jeu aux taupes. Attention. Allez. 3, allez, 2, 1, taupe. Allez, allez. Allez, Adji. Ouais, ça commence déjà pas mal. Hein. Ah ouais, c'est ça. Mais après, vas-y, pas non, mais derrière. Ah ouais, ça va tomber. Allez, Brahim, ça prend de la vitesse, bien entendu, et la force centrifuge ne va pas aider nos camarades. Non mais attends, ça tourne. Allez, ils sont éjectés. Oh là là, là. Ça, il faut qu'ils reviennent. Super, Ladji, bravo. Bravo, Ladji, bravo. Bravo, Ladji. Bien joué, Brahim. C'est bien, Ladji. Brahim, bien joué. Mais que dit la taupe? Égalité pour la première manche. Alors, on est avec des champions, il faut bien le dire. Ah, partout! Bravo, frère! Ah, ouais, frère, ça m'a vraiment chelé. Ah, ça envoie, hein! Je pensais pas que ça envoyait autant. Ah, ouais. Attention, deuxième manche maintenant! Allez, Ladji! Ce serait vraiment bien qu'il gagne. S'il gagne, on est vraiment bien. Allez, Brahim, concentré! Il est chaud, Brahim, là. Allez, on lâche pas! Attention! Allez, Brahim! Deuxième manche! Brahim, c'est pour toi, fils! Allez, t'inquiète, mon gars. Ladji, ça va le faire! 3, 2, 1! Top! Allez, Brahim! Ah, ça accélère vite. Oh là 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 là. Vite, derrière, baisse la tête. La vitesse, bien sûr, augmente. C'est la façon de moi avoir tourné, en fait. Tourner. Oh là là. Allez, Ladji. Allez, Ladji, ça va, Ladji, relève-toi, c'est bien. Et c'est maintenant, bien, ne perds surtout pas de temps, garçon. C'est bien. Allons-y, vite, ça va. Vite. Ladji, 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 Ladji. Victoire de Brahim. Bravo, bravo à tous les deux. Bravo, Ladji. Bravo. Bravo les gars. Bien joué. J'ai été trop vite, j'ai glissé. Très, très beau duel avec nos deux athlètes. Bravo. Et merci. Bien joué, gros. Bien dégoûté que ce soit pas pour nous, mais vous avez assuré tous les deux. Bravo, Brahim. Ouais, bravo. Brahim, 80 boyards de plus pour les blancs. C'est bien, ça, c'est bon, ça. Merci, passe-moi le sucre. Bien joué, mon petit. Ça nous fait donc, pour les rouges, 363 boyards. Ouais. Et les blancs, 233 boyards. Ça se réduit. Alors maintenant, nous allons au chambouline avec les rouges. Ah ouais. Non, mais j'ai un peu peur. Ouais, moi aussi. Je le sens pas trop trop. Suivez, passe la seconde. On arrive. On profite, c'est la fête. C'est fou ça. Ah, attendez les mecs, je suis pas dedans, mais vous êtes des tarés. Hein. Eh bah, dommage. C'est le jeu. C'était bien. Filez. Un peu déçu, mais en même temps, j'étais face à quelqu'un de agile, habile, qui a l'habitude d'avoir la tête qui tourne avec son break, alors que moi, non. Eh ben, vous tombez très très mal, hein. Je suis en train de faire une expérience. Je rêve de voir mon magnifique parc vu d'en haut, mais je crois que j'ai pas assez de ballons pour m'envoler. Hein. Passe-moi le sucre! Apporte-moi notre ballon, là! Allez! Le chambouling, la deuxième attraction du monde fantastique. Soyez à droite ou à droite et dégommez toutes les boîtes. Mais prenez garde à vos pieds ou alors vous chuterez. Vous aimez le bowling? Vous adorez le chamboule-tout? Alors, le chambouling est fait pour vous. Devinez qui je suis. Derrière mon mur, est en train de venir. Tout est permis. Ah bon, voilà vous. Ah, coucou, ça va? Vous êtes très belle. Merci. Surtout moi, je sais. Oh non. Les doubles passes sont avec nous pour le chambouling. Vous aimez le bowling? Vous adorez le chambouletou? Alors, le chambouling est fait pour vous. Pas mal du tout, on valide. Vous avez pas vu qu'il y a un instant de chamboule tout maintenant? Bien sûr. Tentez votre chance. Bien sûr, mais par la boule avec nous. Merci. Vas-y, hello. Allez. Ah bah raté. Bah non, bah c'est pas fait pour moi. Oui. Bien ça. Oh.
du coup. Toi, t'es comme Obélix, tu connais pas la puissance de ta force. Oh. Maintenant, on va jouer donc au chambouling. Okay. Puisque le chamboule tout, on l'a vu, c'était pas la peine. Non. On va jouer pour 50 boyards. Ah, tenez, merci beaucoup. On va donc maintenant découvrir le nom de celui ou de celle qui va jouer au chambouling. Ok, on est chaud. Elodie, je vous rappelle, vous avez, il y a quelques instants, gagné un joker. Ah, et ce joker, il sert à pouvoir switcher si vous pensez que quelqu'un d'autre serait peut-être plus performant. Alors écoute-moi bien, qui est le champion de All the World of the Universe? C'est grave, mais c'est moi. Honnêtement, on a plus de chance avec la G qu'avec moi. Alors donne le joker, redouble pas. C'est validé, la G, ce sera donc pour toi le chambouling. Ok. La G, mets-toi en place. Ouh, allez. Attention, la règle est très stricte. Il faut que le podium soit en fait nettoyé des boîtes qui, pour le moment, sont posées sur lui. Bonne chance à toi. Allez, Ladji. 3, 2, 1, c'est parti. Les boules, c'est bon. Oui, c'est, c'est beau, ça. C'est bien, c'est génial ce que tu fais. C'est bien. Oui, ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, c'est vrai. Oui, voilà. Bien, ça. C'est la même à gauche. C'est super ce que tu fais. C'est bien. Ouais. Oui, dis donc. Incroyable. Là, c'est bien. Oui. Il faut que toutes les boîtes soient tombées du podium. Faut qu'elles tombent du podium. Oh là. Ah, oui, c'est beau. C'est trop bien. Bravo. On est à la moitié. Oui, encore une. Super. Allez, c'est génial ce que tu fais. 4 boîtes à faire tomber. Oui. Oh, ah, plus que 3. C'est génial. C'est bien. On y est presque. Plus que 2 maintenant. Allez, Lady, c'est super ce que tu fais. Allez. On y est presque. Oh là là, punaise. Tout doucement, allez, tour. Allez, à 10 secondes. C'est la dernière boule, Ladji. Ouais, pour vous. Ça va le faire. Allez, Ladji. Allez, tu vas la voir. Oui, non. Mais c'est pas possible. Oh non. Aïe, ça mérite tellement, c'est pas possible. Une boîte, tu l'as écrasée, mais tu l'as pas sortie du podium. Mais elle est pas debout. Non. C'est vrai. On part à 50%. Non, mais attends, tu as très bien joué, la G. On va appeler le service après-vente, non? Il a raison. On appellera le directeur tout à l'heure. Mais c'est le directeur, est-ce que c'est la machine? Bravo. Où vais-je maintenant? Ah, je vais rejoindre les blancs repasses. C'est votre paire de manches. À tout de suite. T'as été top, t'étais exceptionnel, t'avais tout ce qu'il fallait. Ouais, t'as assuré. Aucun regret, tu peux pas faire plus, elle est. Bah là, c'est compliqué de l'enlever celle-là. Attention, double passe, je compte sur vous. Il faut absolument réussir la photo. C'est pour mettre partout dans mon parc. Souriez, monsieur le directeur. Non, moins de sourire. Faut qu'il sourie plus, non? Bon, allez, c'est bon, je vais appeler Pascal Park pour faire la photo. Allez-vous-en, c'est bon, je vais m'en occuper. Allez, c'est bon. Les pinces, c'est la dernière attraction du monde fantastique. Ce jeu de pinces grandeur nature est une sacrée aventure. Guidé par un coéquipier, deux oursons à récupérer. Mais comme vous êtes aveuglé, il ne va pas falloir se tromper. Vous allez en pincer pour les pinces. Très habile. Approchez-moi un peu. Alors, vous mesurez combien à vous? 2,35 m? C'est tout. Je sais pas ce qu'il a, j'ai l'impression qu'il se tasse avec l'âge. Alors que vous n'arrêtez pas de grandir. Alors que moi, je suis très déçue. Mes amis, voici donc les pinces. Sydney est déjà en place. Oh non. Pour, j'espère, gagner cette attraction, bien entendu. Il y a 50 boyards en jeu. Sydney, comment te sens-tu? Pas serein. Pas serein. Tu n'aimes pas être en l'air? Non. Mais rassure-toi, tu ne seras pas très longtemps. Tu vas descendre. Ouais, c'est ce qui m'inquiète. Pour récupérer les Willys. Parce que c'est ça l'idée. Pour descendre, il va te falloir quelqu'un qui va piloter tout cela. C'est Baptiste qui va y aller. Avec plaisir. Je t'en prie. Va retrouver la console qui va te permettre d'orienter Sydney vers les Willys. Il nous faut 2 Willys et tu as 3 essais pour cela. Passe nulle part. Va te masquer le regard. Sydney. Ouais. Prêt? Ouais. Attention. 3. Respire. 2. 1. C'est parti. C'est bien. On reste appuyé, tranquille. Tu me dis où tu vas? On va tout droit pour l'instant. On est sur le côté droit. Ouais. Là, il y a les souris tranquillement. Ouais. On va jusqu'au max. Ouais. Donc souris. Ouais. Là, top. Je descends là? Non, frérot. On descend pas pour l'instant. Je vais basculer sur la gauche. Ok. Je bascule. On va commencer à attaquer les crocos. Ils sont à côté ou pas? Non, t'es loin pour l'instant. Je suis pas descendu. Non, mais ils sont à côté, le bordel là? Merde. Oh là, ils ont bougé les machins, les crocos. Ils sont juste en dessous, les crocos. Ils sont juste en dessous. Les crocos, c'est tranquille. C'est sur la gauche. Tranquille. Tranquille. N'aie pas peur. Sur
ta main gauche, ta main gauche, ta main gauche. Tiens, tu l'as, nounours, tu l'as. Oui, bravo, Sidney. Bien joué. T'as assuré, bravo Sidney. T'es un monstre. Faut que j'en ramène combien? On va le faire deux fois, je t'explique. Ouais. Tu as fait le plus dur, l'autre c'est facile. C'est quoi l'autre? Ça sera des petits verres. Ça va, Sidney? J'ai un peu la tremblante, mais ça passe. Non, t'as assuré de fou. C'est bon là? Oublie pas, faut que tu le mettes en carrière. Attends, dis-moi stop. Hein. Attends, je t'explique. Faut bien viser, dis-moi. Lâche-le. Et à l'aveugle. Il est à côté? Il est dedans ou pas? Eh non, frère, il est à côté. Putain! Là, va falloir que tu te tapes les deux. Oh non. On a encore deux essais. Oh, voilà. Et ces deux essais-là, il faut pas les louper du tout. Allez, on y retourne. On va pas aller très loin. Il y en a un juste devant vous. Devant? Ouais, avec les verres. Vas-y. Ils sont dessus le truc ou. Attends, tranquille. Je vais aller un peu sur ta gauche. Si, y a rien. Tu me dis, hein? Y a rien là? Y a que rien. C'est quoi? Je suis un peu loin, frère. Attends, c'est ça? Oui, il l'a. Parfait. Bravo, Sid. Ne lâche surtout pas, s'il te plaît, ce Willys. Sid, ne le lâche pas. Non, tu lâches pas. Bah, dis-moi vite, hein. Vas-y, lâche. Attends, mais non. Quand tu vas vers l'avant. Quand tu vas vers l'avant, voilà. Quand je vais vers l'avant? Ouais, maintenant. Vas-y. Attends. Très bien. Voilà, parfait. Bravo. C'est bon. Premier Willys. Bravo. Nous en faut encore un. Attends, réfléchis-le bien. Mets-moi un endroit où il n'y a pas de problème. Ouais, t'inquiète. C'est le dernier essai. Vise bien. On ne peut pas se louper. Sid, on est bien? Ouais, vas-y, allez, c'est bon. On va réussir. Il y en a beaucoup sur le truc. Non, il y a rien. Non. Il y en a pas beaucoup. Dis-moi, Brahim. Attends. Stop. Là, t'es sûr, ouais, t'es y a bien. Quoi là? Il y a rien. Hein? N'oubliez pas qu'il n'est gagné que s'il est dans la boîte rouge. On va prendre notre temps pour le mettre tranquillement. Ça, bon, on est cool, on va kiffer, on va prendre ses boyards. Je tiens de la main droite là, je tiens juste par le. T'as tout fait, frère. Ouais, t'as tiens le tueur. Ah, c'est dur comme truc ça. Hein. Là, vous me dites quoi? T'inquiète, tranquille. C'est bon, non? Oui, c'est gagné! Parfait! Énorme, frère. Police dans la boîte là! T'as battu ta phobie, mon frère. Il y en avait plein de rats autour du machin. Il y en avait plein. C'était la dernière attraction du monde fantastique et elle est réussie. Merci. Vous allez donc récupérer vos 50 boyards. Merci. Passe le part. Ce qui veut dire qu'il ne manque plus que 80 boyards pour être à égalité avec les rouges. 80 boyards d'écart, c'est rien. Enfin rien. Il faut les avoir, bien sûr. Mais je pense que ce n'est pas impossible. Où allons-nous maintenant? Alors. Attention, prodige, fabuleux, fantastique et féerique. Le musée des merveilles ouvre ses portes. Qu'est-ce que vous faites encore après nous, là? Allez au musée des merveilles. Avec cette victoire, là, Sidney, c'est énorme. Énorme. Imaginez un lieu où l'impossible devient possible. Qu'aimeriez-vous y rencontrer? Un géant. Wow. Une fée. Des animaux fantastiques. Et si je vous disais que ce lieu existe? Et que j'en ai même fait un musée. Le rideau rouge va bientôt se lever. Le spectacle va commencer. Défis au bras de fer. Voici la 7e zone du parc, le musée des merveilles. Monsieur Moustache. On vous défie au bras de fer, qui se sent capable? Vas-y, j'y vais. Là, j'y vais, vas-y. Attention, messieurs. 3, 2, 1, go. Oh là 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 là. Allez, gars. Je vais. Ah mais c'est génial. La G a gagné. Il y a 80 boyards en jeu ici avec le musée des merveilles. C'est le différentiel qu'il y a entre le nombre de boyards des rouges et le nombre de boyards des blancs. Ah oui, voilà. Donc si les blancs réussissent le musée des merveilles, on est en égalité. Ça c'est bon. C'est intéressant. Qui va maintenant participer au musée des merveilles? Pour un petit ticket. Bonjour, merci. Merci beaucoup, madame. Sidney et Elodie. Allez-y. Allez là. Allez, on vous souhaite le meilleur. Vous leur dites bonjour de notre part. Après toi. Merci. Bienvenue, Elodie. Bienvenue, Sidney. Merci, directeur. Dans mon musée des merveilles. Okay. Vous allez avoir beaucoup de chance, car rien que pour vous, j'ai fait le tour du monde pour vous ramener des êtres prodigieux. Des êtres diaboliquement merveilleux. Ce soir, vous allez faire la connaissance de deux de mes merveilles. Ces deux merveilles vont vous faire un numéro qu'il faudra regarder très,
très attentivement. Car à l'issue de ce numéro, je vous poserai une question sur ce que vous venez de voir. Ok. À chaque fois, il y aura un point à remporter. Le premier de vous deux qui marquera deux points repartira avec 80 boyards. Waouh. À présent, il est temps d'ouvrir ce rideau. Et pour voir cette merveille qui est derrière ce rideau, il faut dire rideau ! Rideau ! Ouvre-toi ! Oh. Wow. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter Mike Garcia, que l'on surnomme la torche humaine. Enchantée. Alors, chers visiteurs, soyez vraiment attentifs au formidable numéro que va vous présenter Mike. Ouais, ah. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Mike peut le faire car Mike est un fakir du feu. Oui. Oh. Non. Voilà. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Non, c'est sublime. C'est sublime. C'est sublime. Oh. Mais Mike, tu vas tout allumer, Mike. Mike est prodigieux, Mike. Oh. Wow. Mike, tu as été fabuleux. À mon image, le talent, quoi. Pour répondre à cette question, ça sera très simple. Il vous faudra appuyer sur le buzzer dès que vous pensez avoir la bonne réponse. Et, bah, il est où, le buzzer? Il est là, il est dans le chapeau. Vous l'étiez pas. Alors? Comment? Qu'est-ce que... Elodie, j'ai pas compris. Ah, voilà, bah là, j'ai compris. Voilà, j'ai pas compris avant. Là, j'ai compris. Voici la question. Concentrez-vous. Combien d'aiguilles Mike s'est-il planté dans les bras? Sydney? 4. 4! C'était 4. Bravo! Merci beaucoup. Au revoir, Mike. Oui, Mike a dû partir vite car il a quelque chose sur le feu. Mike est un professionnel. Vous ne faites pas ça à la maison, bien sûr. Vous, Elodie, bien sûr. Jamais, non, mais non. Maintenant, mes amis, voici la deuxième merveille. Attention. Rideau! Ouvre-toi! Olé! Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter l'incroyable Alexandre Radoy, l'homme aux 100 visages. C'est joli, joli, tu me souviens. Soyez très attentifs. Voici, mesdames et messieurs, rien que pour vous, l'incroyable Alexandre Radoy. Musique! Oh! Merveilleuse. Il m'a fait perdre la tête avec tous ces masques. Hein. Oui. Justement, la question concerne les masques de l'homme aux 100 visages. Si vous pensez avoir la bonne réponse, vous appuyez sur le buzzer qui se trouve dans mon petit chapeau. Écoutez bien la question. Combien de masques différents a-t-il porté pendant cet incroyable numéro? 1. Elodie. 10. Sidney, il aurait dit quoi, lui? 6, 7. Ah ah. Alors, combien de masques? Pour Elodie, yeah. Un point partout. On va donc vous donner maintenant une nouvelle question qui va donc vous permettre de vous départager parce que alors là, d'avis, c'est égalité. Hein. Tout va se jouer maintenant. Écoutez bien, de quelle couleur était le premier masque que portait Alexandre, l'homme aux 100 visages? Elodie. Bleu. Bleu. Là, je suis pas sûre. On vérifie. Ou rouge. En image. Oh non. Eh non. Il était rouge. Eh oui, et le point va à Sydney. Bravo, mes amis. Tenez, je vous donne donc ces 80 boyards. Hop là. Merci. Bravo. Quand même, Alexandre, l'homme aux 100 visages, a un vrai très beau visage. Montre-nous cet incroyable visage. Et voilà. Merci beaucoup, bravo. Merveilleuse merveille. Au revoir. Merci infiniment. Je vous laisse maintenant rejoindre Olivier et vos amis qui vous attendent dehors. Revenez me voir quand vous voulez dans le monde merveilleux du musée des merveilles. Au revoir. Les voici qui sortent. Oh là, Elodie. Ah, bravo. 80 boyards, tellement attendu par les Blancs. Nous avons donc maintenant un nombre équivalent de boyards par équipe. Vous avez traversé les 7 zones du parc. Il vous reste maintenant un moment important. C'est là, sur la grande roue, que tout va se jouer. Nous connaîtrons l'équipe qui pourra avoir accès au coffre-fort. On y va. Allez-y, regardez pas. Allez.
avez l'âme d'un casse-cou, bienvenue à la grande roue. 18 mètres de hauteur, il ne faut pas avoir peur. L'escalader à main nue va s'avérer très ardu. La grande roue, c'est le moment de jouer le tout pour le tout. La grande roue, c'est le Graal. Ma devise ce soir, c'est comme disait Zidane, la culture de la gaine. Moi, ce que je veux, c'est gagner pour l'UNICEF et là, ça va être chaud, quoi. Ça va être chaud. Allez, on y est. Monsieur le directeur. Chers visiteurs, le pire arrive. Elle est là. C'est ma grande roue. Regardez comme elle est belle. Faut pas avoir le vertige, quoi. 18 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 6 étages. Ah ouais, c'est ça. C'est impressionnant. Qu'il vous faudra gravir à main nue. Dans un instant, vous allez pouvoir convertir tous les boyards que vous avez cumulés ce soir en euros. Mais attention, une seule équipe, l'équipe qui aura cumulé le plus de boyards à l'issue de cette épreuve magistrale, cette seule équipe-là pourra tout à l'heure entrer dans mon coffre-fort dans lequel j'y ai mis, tenez-vous bien, de boyards. Un million, je t'ai décompté. Ah ouais. Maintenant, Olivier, je vous laisse avec eux. Bonne chance, peut-être à tout à l'heure. Comme le disait monsieur le directeur, cette roue de 18 mètres de haut va vous permettre de gagner potentiellement 500 boyards. Ah ouais. À partir du moment où vous allez commencer votre progression sur la grande roue, le temps s'égrènera tout comme les 500 boyards. Ce qui veut dire que plus vite vous atteindrez le sommet de cette grande roue et vous baisserez la manette. Plus de boyards vous aurez sauvé. Je vous rappelle que vous avez pour le moment 363 boyards par équipe. Oui. Égalité qui va bien sûr changer au terme de cette grande roue. Qui va y aller? C'est la grande question. Brian, tu te sens? Ouais. Et pour les rouges, qui y va? Bah moi. Je crois bien sûr. Allez, on y va. Ladji pour les rouges, Brian pour les blancs. Mettez-vous en place. On compte sur toi. Right now. Ça va le faire, Ladji. Tout va se jouer maintenant. Ils sont en position. Ladji d'un côté, Brahim de l'autre. Bonne chance à vous deux. Attention, 3, 2, 1, go! Allez, mon Brahim, allez. Allez, Ladji, vas-y. Allez, vas-y. Vas-y, Ladji. On croit en toi, vraiment. T'es bien. Très bonne allez, progression allez. De la part de Brahim. Super, Brahim, super, Brahim. Oui, Brahim est particulièrement rapide. Bien joué, Brahim. Bien joué. Vas-y, Ladji, vas-y. Brahim, t'es en avance, Brahim, c'est bien. C'est te grille pas. Te grille pas, tranquille. Ouais. T'es en avance. C'est bien, Ladji. L'enjeu est important, hein. Les deux équipes sont à égalité. Celui qui remportera la grande roue aura accès au coffre-fort. Vas-y, Ladji, c'est bien, c'est très bien. Bravo, Brahim. Bravo. Encore devant. Super. T'as d'avance, hein. Oui, Brahim a pris un peu d'avance, mais Ladji est déterminé, rien n'est joué. Super, Brahim. C'est très bien ce que tu fais. Vas-y, monte. Il faut que tu passes. Pousse avec tes pieds, Ladji. C'est super, Brahim. T'es large, prends ton temps. Te grille pas, tombe pas. Brahim s'approche dangereusement de la manette. Tombe pas. Super, Brahim. Allez, faut pas que tu fasses d'erreur. Mais Ladji n'est pas loin, il n'a qu'une nacelle d'écart. C'est bien, Ladji. C'est bon, t'es bien. Tranquille, très bien. T'es bien, pas d'erreur, c'est bon. Brahim, tranquille. On y est. Brahim, oui. Allez, 366 boyards supplémentaires pour l'équipe blanche. Continue, Ladji. Allez, plus vite il grimpera, plus il fera gagner de l'argent à l'UNICEF. Vas-y, Ladji, continue. Pour l'UNICEF, Ladji, c'est bon, fais tout ce que tu peux. Allez, Ladji. Et c'est super bien, déjà, génial. Ladji. Bravo. Ouais, Ladji se donne à fond pour son équipe. Rien de finir, c'est extraordinaire. Allez, Ladji. Plus que quelques centimètres. Vas-y, Ladji, pousse. Ah ouais. C'est génial, allez, vas-y. Vas-y, actionne. Bravo. 294 boyards de plus pour les rouges. Je les gars, venez nous rejoindre tous les deux maintenant. Ça m'a cassé, je suis mort. Camarim, chapeau. Bravo, mec. Le retour des héros. Bravo. Brahim, Ladji, venez retrouver vos équipes. Brahim, t'as monté à une vitesse, t'as fait clac. Ah oui, t'as foncé. Bravo, Ladji, bravo. Et là, je t'ai assuré. Vraiment, bravo. On va faire un petit bilan maintenant des gains. Bravo. Les rouges, écoutez bien. Vous allez gagner 294 boyards grâce à la performance de Ladji. Super, bravo. Additionné aux 363 boyards que vous aviez donc dans votre petite boîte. Mm-hmm. Ça nous fait 657 boyards. Le taux de change est de 7 euros pour un boyard. Voilà. Ça nous fait 4599 euros pour l'UNICEF. Oui, bravo. Merci pour eux. Hello, est-ce que tu veux nous dire un mot, justement? Oui, bien sûr. Bah déjà, un gros bisou aux 5000 bénévoles qui œuvrent en France tous les jours pour l'UNICEF. Et puis, vous remercier tous parce que l'UNICEF, c'est au quotidien être sur les terrains d'urgence, défendre les droits des enfants. Le droit tout simple qui peut paraître essentiel, mais le droit de survie, d'accès à l'éducation, à la nutrition, à l'eau, à l'assainissement, à la protection en général. J'ai eu la chance de me rendre plusieurs fois en mission auprès de l'UNICEF. Je sais concrètement ce que ça représente et ceci représente énormément. Alors, merci du fond du cœur à cette formidable équipe qui était la mienne. Ah, vraiment, bravo. Pour moi, ça, Albert. Un bisou, Albert. Pour ce qui est des blancs, 300
366 boyards, grâce à la performance de Brahim, additionné aux 363 boyards que vous aviez donc dans votre petite boîte précédemment. Ça nous fait 729 boyards au total, au taux de change de 7 euros, 5103 euros pour les... Et de plus, dans la mesure où c'est vous qui cumulez donc la plus grosse somme d'argent, eh bien c'est vous qui allez maintenant pouvoir avoir accès au coffre-fort de monsieur le directeur. Je rappelle également que, bien entendu, la somme que je viens d'évoquer, elle est d'ores et déjà acquise pour votre association. Qui veut en dire un mot ? L'association Sérum, c'est la première association française qui permet de dépister les personnes atteintes de certains cancers masculins, notamment de la prostate, du testicule, qui sont encore trop méconnus aujourd'hui du grand public, et c'est pour essayer de les sensibiliser. Donc j'ai la chance et l'honneur d'être aux côtés de Romain Duris en tant que parrain, et voilà, c'est une grande fierté pour moi d'être là ce soir et de pouvoir apporter avec mon équipe cette petite pierre à l'édifice et cette somme d'argent qui sera la bienvenue. Bravo, bravo. Merci à vous. Et cette petite pierre que tu évoques peut être un peu plus grosse car vous avez accès maintenant au coffre-fort de monsieur le directeur. Direction le coffre-fort. Allez. Une piscine de boyard attend nos vainqueurs du soir. Ne perdez pas un instant, le temps, c'est de l'argent. Le coffre-fort, vous en rêviez ? Boyardland l'a fait. Plonger dans une piscine de 1 million de boyards, j'ai hâte. Ce soir, j'ai la chance d'avoir une équipe de rêve à mes côtés pour amener un maximum de boyards. L'objectif, c'est d'en ramener le plus possible, comme on dit. On va faire ça dans la joie et la bonne humeur. Ça va être magique. C'est donc l'équipe des Blancs qui a remporté Boyardland ce soir, comme quoi les miracles existent. Alors c'est donc vous qui allez avoir accès à mon coffre-fort. Vous allez donc pouvoir plonger dans 1 million de boyards. 1 million, hein, je les ai comptés. Dès que ça parle d'argent, je connais mon sujet. Alors évidemment, vous allez pouvoir prendre tous les boyards que vous voulez, mais je vous donne qu'une minute trente, hein, je veux bien être gentil, mais il y a quand même des limites. Je rappelle simplement donc qu'il va falloir que vous soyez le plus méthodique possible et le plus rapide. Si vous vous faites enfermer dans le coffre-fort du directeur, vous perdrez dans ce cas-là tout ce que vous auriez accumulé pendant la séquence du coffre-fort. Ce serait dommage. Faites donc attention. Monsieur le directeur, c'est quand vous voulez. Attention, 3, 2, 1... C'est parti ! Allez, on va déverrouiller, allez-y ! Vite, l'échelle, le toboggan, l'échelle, le toboggan, bravo, 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 bravo. Il n'y a pas. Allez, c'est pas facile. Bravo. Il n'y a que les marches. Il faut remonter les marches. Bah oui. Il faut les tendre tous sur l'échelle. Oh là 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 là. Allez, vas-y, Jessica. Oh là là. Yes. Oui, bien, Baptiste. C'est bien. Allez, les gars, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Concentrez, concentrez. Super, concentrez, les gars, c'est ça. Oui. Allez, 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 c'est super. Allez, Jessica. Le toboggan, super, génial, les gars. Ah là là là, on va en faire des beaux. Le toboggan, Jack. Ça se referme, ça se referme. Ça se referme, ça se referme. Ah oui, c'est par le toboggan maintenant, Brahim. Faut passer par le toboggan. Garde une poignée, yes. Il est où le toboggan? Il est où le toboggan? Vite, 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 vite. Allez, faites attention, sortez, ouais, ouais, ouais. Sortez, sortez. Vous allez tout perdre là. Encore, 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 ouais. Sortez. Allez, 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 allez. On ne ramasse plus, c'est fini. Vous pouvez venir nous rejoindre. Nous allons voir ce que vous avez réussi à collecter. Bien joué, bravo. Monsieur le directeur, nous pouvons procéder maintenant au comptage des boyards. Supplémentaires. Ça, c'est bon. Ça nous fait un total de 1361 boyards convertis à 7 euros le boyard, 9527 euros. Bravo. L'association défendue par les Blancs. Merci beaucoup. Et Olivier, je voulais en profiter. Je voulais que cette somme soit partagée avec... On cumule nos deux cagnottes et qu'on les divise. Pour l'UNICEF et pour Sérum. Bel esprit. Bien, nous étions très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Toujours plus magiques. Toujours plus féeriques. Toujours plus... Diaboliques.